Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. Hein? Je le lis dans ton regard. Oh oui, bien sûr, toi t'es différent. Ça, il n'y a qu'à te regarder, il n'y a pas de problème. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Arrête de discuter, tu m'emmerdes. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Mais il écoute rien, cet enculé. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Et si on faisait l'amour tout nu? Sais-tu exactement de quoi je parle? Ta gueule, ta gueule. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Putain, c'est de la merde. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Ouais. Ah oui, ravi. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Je m'en fous! Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Tu peux pas rester 10 minutes sans dire une connerie. Quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Moi je ne me demande pas si votre père pue du cul ou si votre femme se pocherait en cachette, espèce de pignouf! Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Non mais oh! Ouvre-toi ta gueule! Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Ah, ça va, toi on ira te voir chercher ton César, non, suce-moi salope, ça va. Tu devras l'explorer toi-même. C'est sûr, il est là le problème. Le jour où on saura combien d'eau Pierre-Jacques ont utilisé pour se lever le cul, on sera bien avancé, là.